salut à tous, bienvenue sur un nouveau Mister Test, ici à Serre Chevalier, sous la neige, on est ravis. Avec moi un ski de chez Wetzé, le Xlander 80 Ti, un ski qui sort à 329 euros, monté avec une fixation Tyrolia. À 329 euros, on est avec un ski champ droit sur toute la longueur, noyau bois, renfort titanal sur toute la longueur également. Bref, une construction solide. Pour un ski qui finalement tient le pavé, permet de tailler des bonnes courbes et offre une certaine polyvalence, une bonne polyvalence même. C'est pas un ski qui génère beaucoup d'accélération, c'est pas un ski qui est très vif d'une carte à l'autre, qui va vous permettre d'aller sur un virage court, notamment court et carving. Par contre, c'est un ski qui se monte sain, très stable, mais excessivement stable même pour son programme. On est sur un programme piste polyvalent, donc qui vous sécurise, qui vous donne envie même de lâcher les chevaux, d'aller plus vite, d'ouvrir les courbes, qui a un bon grip. Bref, à ce prix-là, on est quand même surpris et ravis du rendement. Maintenant voilà, ceux qui vont chercher plus de raffinement, plus de vitesse, plus de performance, ils seront peut-être un peu déçus. Maintenant, ceux qui vont chercher un ski solide, efficace et très stable, je leur conseille vivement. Là, je suis sur le modèle qui est en 177. On a un peu plus court, un peu plus long. Malgré tout, c'est la taille pour un homme qui me paraît la plus efficace, la plus polyvalente également. Je suis ravi de son comportement sur piste et notamment sur neige dure. C'est un ski qui est présent sous le pied, qui se met facilement en dérive et qui taille de très belles courbes. Bref, à ce prix-là, ski très convaincant. Polyvalent sur piste, efficace, relativement facile et très stable, c'est à noter. C'est vrai qu'on le préfère quand même sur des rayons moyens et longs que sur des rayons courts. Il manque un peu de vivacité de caracar, il se retrouve un petit peu pâteau quand il s'agit de tailler des courbes en virage très court ou en godille. Maintenant, dès qu'on ouvre les courbes, qu'on le laisse filer, il tient le pavé, super stable, je le répète encore, mais c'est une de ses grandes qualités, ça et le grip.